Nintendo. Salut les gamers, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de jeux vidéo. On se retrouve pour les jeux Mario et Luigi qui ont vu le jour en 2003 sur la Game Boy Advance et qui proposaient pour la première fois de jouer Mario et Luigi dans un RPG, Role Playing Game. Dans cet univers complètement déjanté, vous devez retrouver la voix de la princesse Peach qui a été volée par une sorcière, la sorcière Greg et Mona. Et pour cela, vous devez affronter des bosques gigantesques et parcourir le royaume de Végésia. Et ça change du royaume champignon. Et c'est tant mieux. Il y a de l'humour, des musiques, la musique géniale, bref, un must de la Game Boy Advance à posséder. Et c'est en 2006 que Nintendo récidive avec Partner in Time sur DS, ou les Frères du Temps, chez nous en Europe. Dans cet épisode, vous contrôlez à la fois Mario et Luigi, mais aussi bébé Mario et bébé Luigi dans un voyage à travers le temps qui ne s'oubliera pas de sitôt. Vous devez voyager entre passé et futur pour empêcher les zombies de terribles extraterrestres champignons d'envahir le royaume champignon que vous connaissez. Alors cette fois, vous devez donc vous armer de marteaux et d'armes complètement délirantes pour vaincre ces champignons malfaisants. Vous serez aidé de fourre-tout, une valise qui est bien plus intelligente que vous ne le pensez. Vous retrouverez aussi des personnages bien connus dans un univers passé et futur vraiment très réussi. Here we go! En 2009, voit le jour le troisième épisode de la série. Voyage au centre de Bowser, sorti aussi sur Nintendo DS. Cet épisode qui propose encore plus de possibilités puisque vous contrôlez à la fois Mario et Luigi mais aussi Bowser pour affronter Krakowitz. Et oui, le méchant de Mario Luigi Superstar Saga, et qui était gentil de Partner in Time. Mais bon, dans cet épisode donc vous pouvez voyager à travers les boyaux de Bowser et c'est ça qui fait le charme du jeu. C'est encore plus de possibilités que dans les épisodes précédents. Le système de combat est encore plus amélioré. Vous avez plus de techniques. Bref, un excellent jeu. Tout comme ses prédécesseurs ou ses frères, si vous préférez. Et enfin, cette année sortira le dernier épisode, Dream Team Bros. Un univers 3D absolument réussi et Nintendo vous confie ici encore un chef-d'œuvre à mon avis. Plus de possibilités puisqu'ici vous pouvez contrôler le monde des rêves. Et ce jeu va sûrement me faire acheter la 3DS.